Bien, bonjour à vous. Je me présente. Je m'appelle Michael Whelan. Je viens du Canada, plus particulièrement du Québec, dans une petite ville dénommée Valleyfield. Un de mes vieils amis américains m'a envoyé une lettre récemment. Il avait un problème concernant un garçon qui s'était fait enlever par un présumé Bronte. Le voyage fut long et pénible en paquebot, mais j'avais hâte de revoir mon ami Dutch et de pouvoir l'aider. Il était recherché par les autorités, alors j'avais un nom de substitut. Je m'appelais Arthur Morgan. Alors maintenant que j'ai posé pied à terre, il est temps de chercher Dutch et peut-être quelques informations au passage, qui sait. On va peut-être être chanceux. Si un garçon de la bande de Dutch s'est fait enlever, je vais trouver le ravisseur, mettre la main au calais et y rendre justice. Sur ce, je ferais mieux d'y aller, moi. Je peux pas me faire ici éternellement, voyons. Bon, et voilà. On est dans la ville de Saint-Denis. Alors, voyons voir ce que cette ville nous réserve. Une ville très populaire et assez populace, je pourrais dire. Oh, j'ai pas de cheval. Hé, cocher! Cocher! Oui, monsieur? J'aimerais avoir un lift, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aller à l'écurie. Ah, bien sûr, montez. Merci. Les gens sont sympathiques ici. Alors, amenez-moi à l'écurie, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un cheval pour pouvoir me promener dans la ville en toute aise. J'ai quand même une sacrée veine que Dutch m'ait donné rendez-vous dans une des plus grandes villes des États-Unis qui s'adonne justement à être une ville à moitié française. Alors, je vais pouvoir m'adapter d'une façon ou d'une autre. J'aurais pas aimé ça être pris au piège avec plusieurs Anglais. J'ai rien contre les Anglais. Faut pas se méprendre. Mais quand même, plus de facilité avec mes congénères. Bon, hé, cocher, on est bientôt arrivé. Ne vous en faites pas, ça ne devrait prendre que quelques minutes. Eh bien, monsieur, nous y voilà. Eh, parfait, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, vous pouvez débarquer quand vous voulez. Je débarque ici. C'est fou, votre voix me fait penser à quelqu'un, ça me rappelle les souvenirs. Bon, alors je vous dis à la revoyure. Merci, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, les grandes villes. Il y a tellement de monde que les gens s'assisent comme ça dans les rues, sur les trottoirs. Bonjour, les clodos. Mais bon, voici l'écurie. Mon cheval devrait m'y attendre. Allons voir. Ah, regardez-moi ce cheval. Bon, il est temps d'aller prendre notre photo pour notre passeport. Monsieur l'agent. Oh, désolé, mais tassez-vous, bordel. Alors si je me suis fié à mes instructions qu'on m'a données, ça devrait être juste ici. Et voilà, on y est. Allez mon petit beat and go. Beat and go, allez. Et ça, t'attacher ici. Ça, il ne fera pas voler mon cheval. Bon, ça y est. Mais avant d'y aller, regardez-moi un peu cette bête. Mais c'est pas une belle bête ça, hein? Mais ouais, on pourrait quasiment croire que t'es fait d'or. Il était temps que je te brosse, hein. Ils ont pas vraiment pris soin de toi dans l'écurie. Je paye les frais pour quoi, moi, à la fin? Bordel de merde! Allez, mon chat. Un cheval en santé. Je peux aller partout où est-ce que vous voulez aller. Bonjour monsieur, je suis ici pour la photo de passeport. Sûr? Ouais. Moi j'aime fumer, alors on me prend photo en fumant. Si vous avez un problème comme ça, moi je vous écrase la cigarette en plein visage. Je l'ai déjà fait à plusieurs personnes. Je suis dur.
vrai. Et c'était assez convaincant. Merci beaucoup. J'aime bien jouer les durs pour les photos. Bon, alors merci beaucoup pour votre aide. Maintenant, allons recueillir des informations et voir si on pourrait trouver Dutch aussi, par la même occasion. Je connais que dalle dans cette ville. Je risque de m'y perdre. Alors avant de m'égarer, je vais commencer par visiter ce petit parc ici. Il m'a l'air fort sympathique. Hey there. Have you ever heard of a man called Angelo Bronte? No. But fancy names like that? Maybe try the Bastille Saloon. Opposite the park with the Quincy Harris statue. Okay. Thank you. Bon, parfait. Alors, direction le saloon. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in the strange land of papists and rapists. America's very own Gamora. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here or not. Bien, bonjour tout le monde. That's why we love it. Born and raised. Well, I'll get you in a second. Not unless... Bon, je dois attendre. Tu vois ça, je suis un client particulier. The rest of the states, they'd lucky to have us. If it wasn't for us, they'd probably run back to Britain with the tails between their legs at the first sign of trouble. You got that right. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Sure. Dollar, please. For a whiskey? Sure. That's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Why, thank you. So, mister, if I ask you a question, you ever hear of a fellow by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you're in, but leave it, Fred. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte. Mr. Big, Mr. Italian, spaghetti-eating, long streak of piss big. He makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you can talk to them kids in the alley. They'll know, I guess. Oh, and friend, you be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Bon. Alors, la ruelle. Les gamins. Je me demande quelle utilité ça pourrait m'apporter, ça, des enfants. Les enfants qui traînent dans les rues comme ça, c'est des vagabonds, des voleurs, des malfrats. Allons-y. Hey! Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. You don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's my breath. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet?
Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Giddy up, farm boy. Alors les jeunes gamins, vous êtes mieux de pas m'entourlouper, hein, morveux. Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but we all friends now. Isn't that the most beautiful testament to God's love for us all? Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, you little pair of shits! Let's go! That fella looks angry! Stop! Reviens ici, sale cabot! Oh, tu vas pas t'en tirer comme ça! Demi-portion! Eh, donne-moi mes affaires! Je vais aller donner une fessée à la mère que t'aurais dû avoir! Ouais, c'est que je suis plus aussi en forme que je l'étais! Hein. Tu ne m'échapperas pas! J'ai besoin de mes épinards! Personne ne peut échapper à Michael, je veux dire Arthur Morgan. S'il croit me semer dans les ruelles,